Salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et ça fait extrêmement longtemps, il y a longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo sur GTA 6 que j'en ai pas parlé parce que bon, la dernière fois que j'en ai parlé c'est quand Rockstar avait fait une annonce très très importante et que d'ailleurs qui a fait je sais pas combien de tweets exactement, je vous affiche tout de suite le nombre de likes dans le tweet. Ils ont mis un tweet, il y a eu un nombre abusé de likes et c'était la seule annonce concernant GTA 6 de la part de Rockstar. Bonsoir à la salle déjà, comment vas-tu? Ton micro coupe, donc j'essaye Ah ouais? de déchiffrer. Ouais. Ah, c'est bizarre. Donc c'est quoi la question? Il n'y a pas de question pour le moment. Il n'y a pas de question pour le Ah. moment. Donc aujourd'hui, on va parler de GTA 6, on va parler de plusieurs rumeurs qui sont tombées. Alors, comme tu le sais, la salle, Rockstar, tu sais qu'en ce moment, c'est la période des... La salle? Des soldes. Des soldes, et oui, des soldes. Et oui, parce que Rockstar, tous les ans, ils font le petit bilan. Bon, c'est comme toutes les sociétés dans le monde, hein, comme toutes les sociétés, hein, comme nous, on a des sociétés. Enfin, voilà, tout le monde fait des bilans. Et du coup, eh bien là, pour le coup, Rockstar a fait un bilan. Et apparemment, il y a un PowerPoint qui est tombé là, ça, tu vois. Ouais, Il y a quelqu'un que qui a pris en dit-il? photo. Qui a pris en photo le PowerPoint. Et toi, tu vas me dire si selon toi, c'est fake ou pas fake, voilà. Il y en a qui disent que c'est du fake, tu vois. Mais il y en a qui disent que c'est pas du fake. Alors, donc du coup dans ce document, je vous l'affiche maintenant. Donc là ça tu l'as entre les yeux. C'est bon? Je l'ai devant moi, ouais, je l'ai. Voilà, avec tu sais en bleu là, blanc et bleu. Voilà. Alors comme tu peux le voir, tu as un PowerPoint, donc c'est un PowerPoint sur Take Two. Donc Take Two, hein, vous connaissez, hein, on va pas faire de dessin. Et on peut voir que apparemment GTA 6 est prévu pour 2024 et la 2. Bah, ils disent, alors second calendrier 2024, donc à mon avis, quand ils disent second calendrier, c'est quoi? C'est juin, c'est ça? Parce que janvier, c'est 1er février, 1er, 2e, ouais, c'est ça, hein, c'est dans les questions. Été quoi? Été 2024, la salle. Été Alors. 2024. Ensuite, on voit en dessous la salle. Attends, je dis juste ce qu'il y a dessus. NBA 2K, après, il y a un autre jeu, ok, qui vont lancer en 2024, pareil. Et Mafia en 2023. Voilà, après, on Ouais, a c'est un jeu ça, c'est ça. mobile, Red Dead Gunslinger, Rockstar Game en 2023, et Max Payne en 2025. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cet article? Est-ce que tu penses que c'est fake ou pas? Bah, ça dépend déjà, il sort d'où? Bah, c'est quelqu'un qui a pris en photo, quoi. Ouais, mais ils disent pas c'est qui la personne qui a pris en photo? Non. Ah, donc c'est un petit arnaqueur. Est-ce que c'est quelqu'un qui a... Parce qu'en fait, les PowerPoint du rendez-vous, ils ressemblent à ça. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a pris le PowerPoint, qui a recopié tu vois, le design et qui a refait un truc derrière? Ou... Tu penses vraiment que GTA 6 sortira en 2024? Alors moi, je pense que c'est juste un montage. Ça n'a rien à voir avec Rockstar. Je pense que c'est un montage. Ouais. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce que GTA ne sortira pas en 2024, hein, c'est faisable. Mais ce que je veux dire, c'est que ce truc-là, c'est un montage que quelqu'un a fait et il a écrit ce qu'il voulait dessus. Donc, parce que je pense pas que ça ressemble à. Enfin, je pense pas que ce soit écrit de cette manière et que non, c'est. C'est un Ça peu me trop paraît trop bizarre. simple. Trop simpliste pour que ce soit réel. GTA 6 peut sortir en 2024, mais pas de cette manière, pas avec des fuites comme ça, quoi. Ça, c'est un peu trop gros, ça. Ok, alors il y a un truc aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais tu vois, t'as écrit, il y a Max Payne, pardon. Max Payne, trilogie, tu vois ou pas? Ouais. Sauf que apparemment, donc, enfin, tu sais que tu connais un peu les Max Payne. 1, 2, 3. Sauf que y en a que un qui a été développé par Rockstar, c'est le 3, la salle. Sauf que quoi? Parce que. Il n'y a que le 3 qui a été développé par Rockstar. Donc, Ah oui. pourquoi il l'aurait mis, quoi? C'est vrai. Attends, Pas bête comme t'es en train de réflexion. te couper les ongles, je rêve là. Non, j'ai un bonsaï. Un J'ai quoi? dit en plus. Un bonsaï. Ok, alors, ok, donc ça c'était pour cette première rumeur. Moi je vais dire ce que j'en pense. Alors je pense que, effectivement, je pense que c'est un fake. Parce que déjà, je pense que
personne n'aurait les coronesses de prendre en photo déjà tout Les court. coronesses, c'est ça que tu dis parce que je l'entends Ouais, pas. les coronesses. Personne, là tu m'entends bien là. Oui. Personne n'aurait les coronesses, la salle, de prendre en photo comme ça pendant un rendez-vous très important, sachant que Rockstar, il me semble qu'ils ont des Pendant quoi? Pendant le clauses. confinement? Non mais. J'essaye de suivre. Non mais J'essaye, attends. c'est compliqué, Pourquoi hein. ça bug? Je disais la salle. Tu sais, tous les gens qui travaillent chez Rockstar, ils ont une clause, ils ont pas le droit de divulguer n'importe quel truc sur le développement ou autre, tu vois. Ouais. Donc je pense que, à mon avis, tu sais, c'est ça, quoi. C'est pas possible. Tu vois, c'est vraiment pas possible que ça soit sorti comme ça. Ce soit vrai. Voilà. En tout cas, on passe au deuxième point de la vidéo, donc la carte du jeu, qui, apparemment, tu vois, d'après le bon Qui scan, est moche, voilà. je peux le dire déjà. Qui est moche, effectivement. Et donc, depuis comme tu peux le voir dans le chute, il a dit que c'était enfin, l'Amérique du Sud. Je sais pas si tu vois un peu. Non, non, mais ça, j'y crois pas. Mais elle est dégueulasse, la carte. Non, non. Ah ouais, mais ça, c'est horrible. C'est horrible. Et donc, comme tu peux le Elle est voir, vraiment moche. ils disent que c'est la possible map de GTA 6, sauf que moi, pour ma part, donc déjà, une map disposée comme ça, c'est strictement impossible de la part de Rockstar. À la limite, une partie de la map, je veux bien, mais là, tu vois comment c'est fait un peu? C'est un peu space Mais un peu. oui, mais oui. Et donc, d'après. Ça, on dirait comme si c'était une map, par exemple, qui ferait, mais tu sais, une map secondaire pour un sous-sol ou un bunker ou Ouais, voilà. un truc souterrain, quoi. Et donc, apparemment, ce n'est pas du tout de l'Amérique du Sud et ce serait en fait Cali, Colombie, la salle. Et malheureusement, je pense pas que Rockstar va se baser là-dessus. En tout cas, pour moi, c'est fake aussi. Voilà, fake aussi également. Après, tu vois, toi, tu penses que. Parce que, bon, il y en a beaucoup qui disent aussi que Rockstar, ils vont refaire GTA 6, tu vois. Mais. Ils vont reprendre la map de Vice City. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Non. Bah non, ils vont faire quelque chose de totalement nouveau, on le Ouais, sait. mais. Il n'y a pas de raison de revenir en arrière, ils reviendront pas en arrière de toute façon. Tu penses qu'ils vont pas faire plusieurs maps? Si, mais pas les maps actuelles. Je pense pas. Un mélange alors peut-être. Ou alors. Parce que tu vois, il y a beaucoup de rumeurs qui sont tombées. Parce que toi, t'étais pas là dans les vidéos avant que je faisais tout seul sur GTA 6. Mais. Du coup, c'est vrai que je disais aussi qu'il y avait des rumeurs comme quoi, genre ça allait être à la fois en Amérique du Sud, genre t'auras des petites îles comme Cayo Perico et tout, comme Ouais. le Mercanton. Donc, est-ce que ça peut-être aussi serait possible? Et aussi, il y a un autre truc aussi important dans la salle, personnage féminin. Est-ce que tu penses que c'est possible aussi? Ouais. Bah, personnage féminin, bah oui, logique. Ça ferait plaisir quand même de Mais jouer un personnage féminin. ouais, mais ça, c'est juste de la logique après. Mais oui, il peut y avoir plusieurs personnages, il peut y avoir un personnage féminin. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses, hein, parce que c'est tout serait nouveau là. Effectivement, effectivement. Bon, en tout cas, la salle. Un dernier point également. Bon, apparemment, le 16 mai, il y a Rockstar qui lance un live et ils vont annoncer GTA 6 dessus, encore une fois. Le 16 mai. Ouais, là, dans 6 jours, quoi. Mais je pense pas non plus. Vraiment, les gars, Rockstar, ils ont dit un seul truc. Déjà, ils ont même pas parlé de GTA 6, déjà. Ils ont même pas dit que ça allait s'appeler GTA 6. Et le seul truc qu'ils ont dit, je vous le réaffiche maintenant, ils ont dit que GTA 6 était en développement et c'est tout. Ils ont rien ajouté de plus, ils ont rien dit de plus, c'est tout. Il est en développement, bien avancé, donc à mon avis, pour l'instant, ils sont en Oui. train de faire les tests et tout, en train de finir les finitions, sachant que Rockstar, quand ils sortent un jeu, ils nous disent 2023, au final, ils nous le ressortent en 2024, il y a un an de retard, tellement ils veulent faire bien. Mais là, je pense qu'ils ont un petit peu quand même abusé, parce que 2013, GTA 5, ça commence à faire beaucoup, là. Hein. Pire que de l'abus, pire. Voilà, bon, en tout cas, on aura des enfants quand le jeu sortira. Donc, comme je vous ai dit, les infos, là, c'est fake. Ne vous fiez pas à ça, fiez-vous à ce que Rockstar dit dans la news ailleurs. Surtout, c'est ça. Voilà, il n'y a que ça. La salle a un mot à dire pour la fin. Ben, ouais, c'est vrai que de toute façon, il faut se fier qu'à. Ben, qu'au truc officiel. Donc, oui, Rockstar News Wire, forcément, voilà. Et ils le disent, Rockstar ça. Newswire. Rockstar News Wire. Ils le disent à chaque fois. Voilà. Bon, en tout cas, pouce bleu, abonnez-vous. Et sur ce, ciao, ciao. GTA 6, on espère que ça sortira. Peut-être un trailer en fin d'année.
Mais ça, il faut rêver.